j'adore. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog avec ma soeur. Parce que on va à Paris voir le concert d'Ariane. Est-ce que tu peux faire la phrase de ce que j'ai dit comme ça? C'était gênant. Bref, j'ai vraiment fait. Et du coup on va faire un petit séjour à Paris de 2 jours. Bah non, j'ai pas fait exprès. C'est bon, je peux couper. Je sais pas où c'est. Elle est droit d'auteur. Ah bah c'est notre train. J'ai mis 10 ans à me garer. Les gars, on vient d'arriver dans la chambre. Pépite, elle est trop belle, regardez. En gros, voilà, quand on rentre là, on est comme ça. Là, il y a la salle de bain, trop belle. Une petite douche, bon j'avais faim d'allumer mais voilà. Et là les gars, notre lit est génial, génial. Là ma soeur, et là un énorme miroir. Là ma soeur, genre je fais partie de la chambre. Ah oh, j'adore, ça va, je vais faire des trop belles photos là. Et là regardez la vue qu'on a. Ah ouais, vous voyez bien, avec un petit balcon, une vue sur Paris et du coup on est au Madison, à l'hôtel Madison. Merci à eux de nous avoir accueillis cette nuit. Backstage du photo. Bah je m'assois du coup. Bah non, tu vas sauter. Non mais c'est pas toi qui t'assois là. T'aimes pas quand t'es assise. T'es hyper lourde. Bon allez. Toi ou pas? J'ai pas de place, j'ai ma batterie, mon téléphone, j'ai déjà plus de place. T'as mis une batterie? Faut qu'on en prenne, je peux pas prendre nos autres. Tu sais pas organiser un sac? Là, il y a les deux, il reste plein de place. Bah, on prend le truc. On a pas le choix, de toute façon, j'en aimerais pas mes autres. 2 cartes d'identité, c'est bon, il faut les places. T'as beaucoup de batterie sur ta batterie ou pas? Ma caméra, je peux pas l'emmener. Ah mais ça filme tout. On est parti pour le concert d'Ariana. Il est 17h30, on est carrément en retard. Apparemment les portes sont déjà ouvertes, il y a déjà plein de monde. Je sais pas comment on va être placé, mais bon tant qu'on y est, c'est ce qui compte, l'important c'est de participer. Ok les gars, on est arrivé depuis genre 10 minutes. C'est, il y a plein de monde. Et genre on a mis 10 minutes à trouver où est-ce qu'on devait aller pour la fosse or. On a demandé à des petits monsieur fluo. Voilà, j'en ai vu plein de vous aussi, trop chou. Genre regardez la queue, là 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 là. Et là tout à l'heure il y a un gros escargot énorme, genre un truc, tu mets encore 2 heures de queue. Et nous on est là, au calme, pépère. Marina passe, tu t'inclines. Quand Marina arrive, tu... Ta transpiration est ma définition. Raconte comment t'as eu ces places. Ah j'ai trop chaud là déjà. C'est grâce à ma soeur qui nous a offert à mon anniversaire. Et grâce à mon agent qui nous a offert à mon anniversaire. Les gars, on vient d'apprendre qu'on n'avait pas droit au sac. Du coup j'ai dû tout mettre dans mes poches. Et on a genre caché le sac dans un buisson, sinon il jetait. Genre un sac en cuir. J'ai commandé Uber Eats mais j'ai fait livrer à Lyon. Parce que la dernière fois que j'ai commandé Uber Eats c'était à Lyon et ça a laissé mon ancienne adresse. Sauf que je suis à Paris. Du coup ma commande elle est déjà partie là. Si vous souhaitez modifier, tapez 2, souhaitez annuler, tapez 3, vous avez reçu, tapez 4. Commencez par le vrai. Commande a été remise à un livreur. Je crois qu'il y a un bug, faut que je rappelle. Non mais là il y a un hôtel à Lyon qui va recevoir 3 burgers. Oh la casse. Merci d'avoir contacté, tapez 2. Nous allons vous mettre rapidement en relation avec un membre de notre équipe. Allô? Oui, bonsoir. En fait, j'ai commandé du coup une commande, mais j'ai pas changé l'adresse. D'accord, très bien. Donc, j'aurais besoin d'un numéro de téléphone associé à votre... 92 06 Zoé Tondu. Allô? Mais pourquoi ça court? Allô? 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 Non, mais là, la vie est contre moi. Mais ça fait 2 fois que j'appelle, 2 fois que ça bug. Au pire, je laisse et le livreur il mangera des burgers. Hein. Non, mais les gars, mais je vais péter un câble. J'ai pas dit anglais, j'ai dit français! J'ai envie de pleurer. Anglais, vas-y, ça me saoule, il aura des burgers gratuits, tant pis. Le McDo est enfin là. Et on regarde, maison à vendre. Ça fait quoi? Oh, man. Je viens de me réveiller avec un réveil qui a sonné de manière... Voilà, comme le rhume de Manon. Genre ça a fait ça, hyper fort.
Je faisais un rêve trop bizarre, genre vraiment c'était super étrange. J'ai rêvé que j'allais dans une maison close, je sais pas, genre je faisais un procès aux gens parce que c'était interdit ce qu'ils faisaient, genre ils faisaient du mal aux femmes. Enfin, là, on va aller s'habiller et manger. J'ai un problème, je sais pas si vous aussi ça vous fait ça, mais moi surtout mes hauts et toutes mes robes pratiquement, genre au sein, bah ça se voit. Du coup, je dois mettre des épingles. Tu l'as mis une ou deux après l'avoir utilisé? J'ai hyper honte de mon petit déj, on dirait rien. Je vais pas faire, salut. Bonjour, après un thé vert juste pour le style. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un vlog donc à Paris. Voilà, donc je vous montre ma petite tenue. Une petite robe Zara et ma tête. Lol. Et du coup, là, on va se diriger vers le shopping. Ensuite, moi, j'ai un rendez-vous chez Benefit pour... On en a profité pour prendre des limes. Pourquoi c'est zoomé comme ça? Voilà, première fois à Paris en lime pour Manon. Au final, on a abandonné la lime parce que ça mettait trop de temps. On a pris le métro, ça nous a saoulé. Et là, du coup, on est dans le Marais. On arrive dans la rue des Rosiers. Je vais essayer de faire graver mon sac. Mais voilà, on se balade, on découvre. C'est sympa. Ça me saoule, il me saoule ces messieurs. Je suis belle que de dos. J'aime bien cette petite robe. Comme d'hab, problème du sein, mais bon. Manon, t'es où? Ah, t'es là. Est-ce qu'elle est belle cette robe? Elle est trouvée, celle du short ou celle du short? Ouais, mais elle, elle est simple et tout le monde là. Elle, elle est originale. J'aime pas les serpents, mais. On vient d'aller au Starbucks et genre, j'ai pas capté. Ils m'ont même pas demandé mon nom, genre, je sais pas, j'ai pas capté. Et ils m'ont quand même appelé, genre Zoé, ils ont quand même écrit Zoé. Ils m'ont reconnu. Un magasin qui sert des plats de Hawaï. Ça me manque. Bon, du coup, Manon sort de Benefit. Voilà, elle a des sourcils tout neufs. Ça change, on en avait marre des buissons. Bref, il est 15h. Mais il est 15h et on va manger à Hippopotamus. J'ai envie d'un tartare. Alors, je sais, vous allez me dire la viande, faut pas manger de viande. J'ai envie d'un tartare, donc tant pis, je mangerai pas de viande pendant la semaine prochaine. Du coup, on est arrivé à Hippopotamus. Mais si, il y a une vendeuse qui est trop bizarre. Genre, elle vient et fait. Et repart. Bon, ça ne donne pas très envie, on dirait un cerveau écrasé. Mais seul appétissant. Bah non du coup, mais c'est bon. Oula, c'est zoomé. Bon, il est 17h15. On a notre train dans 1h15. J'ai acheté un truc, je savais pas qu'il coûtait 35€ par contre. J'ai vu ça, j'étais en mode. On est crevé, il fait beaucoup trop chaud. On va prendre le métro, on va rentrer à l'hôtel, prendre nos bagages, prendre un Uber, aller à la gare et ça sera la fin du vlog. Et prendre un réfléchir à et aller au Starbucks. Troisième Starbucks en 2 jours.